Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Comment ça va? Allez, on se réveille. Bonjour tout le monde et bienvenue à notre cours de gym pour tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Allez, on inspire, on souffle. C'est parti, on monte les deux bras vers le ciel. Et on relâche. On inspire, on souffle. Et on relâche. Encore. Parfait, on roule. Une épaule, puis l'autre. On presse, on roule de l'autre côté. 4, 3, 2, impeccable. On monte une épaule, l'autre. On monte les deux. Et on alterne. On tend un bras derrière et on nage. On freine. 4, 3, 2, on freine ici et hop. On relâche, pousse la taille à droite vers gauche. La même chose, petit rapide. 4, 3, 2, stop. Et devant. Devant. Encore, encore. On va aller à droite. Droite, devant, gauche, derrière. Et puis à gauche, devant, droite. Parfait. Droite. Encore. Rotation. 1 et 2 et 3 et 4. De l'autre côté. 1 et 2. 3. 4. Parfait, parfait. Des hanches. Des hanches. Encore. 4. 3. Et rapide. Encore 4. 3. 2. Stop, en T-version, rétro-version, bassin. Rotation, tourne. 2, 3, 4, de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, petit vide sur les diagos. 4, 3, 2, encore. 4 derniers. 4, 3, 2, parfait. On pose. Bien, on lève. On ouvre. On plonge. Encore. 4, 3, 2, on reste. Et rotation cheville. 4, 3, 2, change. Sens de rotation. 4, 3, 2, et relâche. Pose, inverse et ouvre. On plonge. Encore 4, encore 3, 2, 1, et on reste. Rotation. Cheville dans un sens. Et rotation, cheville dans l'autre sens. Et on relâche. Parfait. On ouvre et on plonge. Ici, fléchis. Souffle. Souffle. Allez. Parfait, semi-fléchi à la remontée. Encore. 4. 3, 2,
on reste. Bascule poids du corps et parfait. Doucement, d'un côté et de l'autre. Restez à droite. Ouvrez ici, décollez la pointe de pied. Parfait. Pivotez cette pointe de pied et tournez. Amenez ici, repoussez-vous d'un mur invisible et glissez avec la jambe vers l'arrière. Hop, relâchez. Penchez le buste vers l'avant, posez les mains au sol. Pliez, tendez, pliez, tendez, pliez, tendez. Restez tendu. Ramenez pointe de pied arrière. Hop, vers talon avant. Posez les mains au sol. Tendez les jambes. Parfait. Fléchissez, pivotez. Déroulez. Recentrez-vous. Et on bascule. Gauche et droite. Encore 4. 3. 2. 1. On reste à gauche. On ouvre. Parfait. On décolle la pointe de pied. On pivote. Ici, hop, on se repousse d'un mur invisible et on va loin, loin, loin vers l'arrière. On relâche les bras, on penche le buste vers l'avant. Plie et tend la jambe arrière. Encore. 4, 3, 2, restez tendu. 4, 3, 2. Deux, ramène la pointe de pied arrière vers talon avant, reste en bas. Pousse tes mains dans le sol. Tends les jambes. Fléchis tes genoux. Pivote. Ouvre l'espace de tes jambes. Pose les mains sur les cuisses. Creuse dans le bas du dos. Et là maintenant, on va creuser dans le ventre. Les omoplates s'écartent. Et un, les omoplates se rapprochent. Et deux, elles s'écartent. Un, deux, un, deux. Hop. Impeccable. Super. Encore. 4, 3, 2, et on déroule. On inspire et on souffle. Parfait. Et on relâche. Youpi. Ok. Ok. Alors, en partant là-dessus, regardez. Très très simple. Tout va se faire par 4. 4 V-step. Un V-step, c'est je vais ouvrir pied droit, j'ouvre ensuite pied gauche, je ramène pied droit, je ramène pied gauche. D'accord? Ça, c'est un V-step pied droit et on l'alterne avec un V-step pied gauche. Gauche, droit, gauche, droit. Droit, gauche, droit, gauche. Gauche, droit, gauche, droit. Gauche, droit, gauche, droit, gauche, droit, gauche, droit, et gauche. Très bien, ça va? Donc on va en faire, là on les a fait au ralenti, on va en faire 4 alternés, tempo musique. D'accord, on commence avec le droit. 5, 6, on y va. 1, 2, 3, je ferme. 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 Encore. 5, 6. 5, 6, pied droit. 1, 2, 3, je ferme. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et on attend. Ça va? Comment ça se passe? Dites-moi. Ouais, ça a l'air d'aller. Ok. Alors, on reprend. Donc, 4 V-steps. Additionnez maintenant avec des bras. Regardez, en même temps que vous ouvrez le pied droit, vous levez le bras droit. Vous ouvrez le pied gauche, vous levez bras gauche. Vous ramenez pied droit, vous ramenez main droite. Vous ramenez pied gauche, vous ramenez main gauche. D'accord? Ensuite, c'est pareil, en ouvrant pied gauche en premier. Ok? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, on y va. 1. Là, vous êtes d'accord, on est au ralenti. Hein. C'est juste que vous soyez au courant. Hein. Parce qu'après, ça va s'accélérer. Encore.
Ok, maintenant version tempo musique. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, youpi. On n'en a que 4 à faire. Ça va? On fait les 4 vestettes alternées avec les bras. Rythme tempo de la musique. On commence dans 4, dans 3, dans 4, 3, 2, on y va. 1, 2, 3, ça fait 1. Ça fait 2. Ça fait 3. Ça fait 4. Et marche, 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 jette. Marche, 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 jette. Jette. Et jette. D'accord ? On enchaîne donc après les 4 V-steps alternés. On marche. Premier pied qui marche, c'est le pied droit. On marche 3 pas et on jette. 1, 2, 3 et on jette. Celui qui jette, il va 1, 2, 3, on jette. 1, 2, 3, on jette. 1, 2, 3, on jette. On squatte. D'accord ? On y va, on fait cette partie-là. Les 4 avant-arrière. Et tout de suite, on squatte. 5, 6, 5, 6. On y va. 1, 2, 3, jette. 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 Squat. Tap, tap. Squat. Squat. Ok. Ça va ? On reprend tout depuis le début. Enchaînez. 4 V-steps. 4 fois les pas marchés, jette. Et 4 squats, tap, tap. Marchons. Pied droit. On y va. Dans 4. Dans 3. 4, 3, 2 V-steps. Ça fait 1. Ça fait 2. Ça fait 3. On marche. Jette. 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 Squat. Squat. On reprend le début. Marche. Squat. Marche. Jette. Jette. Squat. Ça va? Donc là, on a appris 3 pas différents. On va enchaîner. Donc quand on a fini les 4 squats, le dernier squat tap-tap, il se passe ici, tap-tap. Ok? On va libérer notre pied droit pour croiser par-dessus pied gauche pour faire un mambo cha-cha. Regarde. Mambo, cha-cha-cha. Mambo, cha-cha-cha. Mambo, cha-cha-cha. Encore. On en fait plusieurs, mais on aura en réalité à en faire que 4. Le premier, pied droit par-dessus pied gauche. Le deuxième, pied gauche par-dessus pied droit. Ok, et avec les mains qui font rien, on va faire des moulinets. Ici, comme ça. Impeccable. Encore. Super. Allez, on compte. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, cha-cha-cha. Ça va? On colle tout? On fait tout depuis le début? Allez, c'est parti! Cinq, six, sept, V-steps. Le deuxième, le troisième, le quatrième, marche! Jette, 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 squat, 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 mambo cha-cha. Et regarde, saute 2, 3, 4, saute 2, 3, 4, saute 2, 3, 4, saute 2, 3, 4. On s'entraîne pour celui-là, regarde.
saute, 2, 3, 4, saute, 2, 3, 4, saute, 2, 4, saute. Super. Ok, c'est tout ce qu'on a à faire. On refait les sauts. Premier saut à droite et puis tu déhanches. Deuxième saut à gauche, tu déhanches. Troisième, quatrième. 5. C'est juste les sauts. 5, 6, 7, 8. Tu sautes. Tu sautes. Tu sautes. Tu sautes. Ok, si on récapitule, on a V-step, 4 fois. Marche avant, 4 fois. Squat, tap-tap, 4 fois. Mambo cha-cha, alterné, 4 fois. Et le petit saut de lapin, 4 fois. D'accord? Ça va? On enchaîne? Allez, c'est parti. 5, depuis le début. 5, 6, 7, 8. Marche avant. Qu'est-ce qu'on fait après? Squat. 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 Qu'est-ce qu'on fait après? Mambo cha-cha. Mambo cha-cha-cha. Mambo cha-cha-cha. Qu'est-ce qu'on fait après le saut de lapin? Hop, 2, 3, 4. Hop, 3, 4. 3, 4. Super. Génial. Ça va, on recommence tout? 5, 6, 5, 6, 7, V-step. Hey. 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 Hop, pardon, c'était le petit saut. Après les 4 mambos, on reprend à partir des 4 mambos. 5, 6, 5, 6, 7, 8. Petit mambo, c'est parce que j'avais oublié les mains. 2, 3, 4, super, petit saut. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Super, voilà, super, génial, génial. Maintenant, on fait une dernière partie qui va être méga super simple. C'est que des pas marchés. On marche, d'accord? On marche pied droit en premier. Très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lever le bras droit. On va lever le bras gauche. On descend le droit, on descend le gauche. D'accord? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? Deux fois lent et une fois rapide. On essaye encore. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore une fois lent. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et rapide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça va? Dans le même schéma, dans le même style. Regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous avez vu que pendant tout ce temps-là, t'as les pieds qui marchent, hein? D'accord? On est comme ça. Donc, je répète au ralenti. Ici, c'est monte, monte, descend, descend. Monte, monte, descend, descend. Et ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pareil ici, devant. Devant, devant, ouvre et ouvre. Devant, devant, ouvre. Et ensuite, rapide. Tac, tic, tic, tac. Tout ça en marchant. On fait que la partie bras et pas marcher. 5, 6, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rapide. 3, 4, 5, 6. On enchaîne devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Youpi. Ça va? Alors maintenant, ce truc-là qu'on vient d'apprendre, on va le mettre au tout début de la chorégraphie.
D'accord ? Ça veut dire qu'on va commencer notre chorégraphie avec tous ces bras. Et après tous ces bras, tout au moins cette petite marche qu'on aura fait, on va enchaîner avec les V-steps. D'accord ? Est-ce que ça va ? Dites-moi, on fait une petite pause, on boit un petit coup ? Donc on commence avec la marche. 5, 6, 5, 6, 5, 8. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3. Rapide. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les autres bras devant, devant et joue. Et joue encore devant, devant et joue. Rapide. Et 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce qu'on fait après V7? Premier V7. Deuxième V7. Troisième, quatrième, et qu'est-ce qu'on fait en marche? Wouhou! Jette. Qu'est-ce qu'on fait? Squat. 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 Et après, mambo. Deuxième, troisième, quatrième, saute la fin. Wouhou! Wouhou! Devant, devant, et joue. Parfait, encore devant, devant, joue. Et descente, et qu'est-ce qu'on fait après? J'ai oublié de marcher. On s'arrête. J'ai une marche avant. Parfait, on fait une pause, on fait une pause. Donc, ok, super. Est-ce que ça va? Alors, on y va. Alors, vous êtes ok? Super. On change de rythme. On garde exactement la même choré. C'est juste qu'on change la musique. C'est parti. 5, 6, on y va. Rapide. Parfait. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, deux steps. Devant et deux.
3, 4, 1, 2, 3, rapide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7. Encore. J'espère que ça a été. On va se reposer un petit peu au sol avec un peu de renfort. Ça va tout le monde? En tout cas, bravo à vous. Génial. On y va. On passe au sol. Voilà. Ok. Après cette folle danse, on va pouvoir un peu se relâcher au niveau cardio. On va travailler un peu de renfort. On s'allonge tranquillement, vertèbre après vertèbre, au sol. On pose la tête au sol. On place les bras le long du corps. On inspire, on souffle, on monte une jambe. On inspire, on souffle, on monte l'autre jambe. Parfait. Allez, on va ouvrir. Une jambe, puis l'autre. On ferme une, on ferme l'autre. On ouvre, on ferme, ouvre,
Ferme. Ferme. Ouvre. Ouvre. Ferme. Ferme. Ouvre. Ouvre. Ferme. Impeccable. Encore. Souffle. Inspire quand tu ramènes. Souffle quand tu descends. 1, 2, 3, 4. Encore. 1, 2. Impeccable. Encore un peu. Et puis maintenant, on va ouvrir les deux en même temps. Ouvre et ferme. Super. Soufflez. Inspirez sur la remontée. Soufflez sur la descente. Ça va? Allez, encore. Génial. Allez, encore 4, 3, 2, 1. Restez fermés et balancez les deux jambes d'un côté. Pointez les pieds, fléchissez et tendez les genoux. Pliez, tendez. Plie, tend. Plie, tend. Plie. Encore. C'est parfait. Encore. Et tu restes tendu, tu reviens centre. Tu vas de l'autre côté. Et on y va, on plie. On plie. Tend. Plie. Tend. Plie. Impeccable. Encore un peu. Dernière série. Quatre derniers. Quatre. Trois. Deux. Un. Et vous revenez centre. Parfait. Sans poser, vous placez vos mains le long du corps. Et puis les mains, vous les rapprochez de vos fessiers. Très bien. Et vous allez écrire avec vos jambes jointes et les pieds pointés. Vous allez écrire les chiffres de 0 à 9, d'accord? Vous formez des chiffres ici, le 0, des grands chiffres, hein? Ensuite, le 1, parfait. Ensuite, le 2, bien. Le 3, super. Le 4, parfait. Le 5. Yes. Le 6. Le 7. N'oubliez pas la barre du 7. Très bien. Et puis le 8. Et le dernier, le 9. Et vous relâchez en ramenant les genoux vers vous. Parfait. Super. Vous relâchez, vous posez les deux pieds à plat dans le sol. Et vous décollez votre buste. Vous décollez la tête, vous décollez les épaules. Vous placez vos mains aux oreilles. Coude ouvert. Parfait. Ici, vous restez là. D'accord ? Vous inspirez, vous soufflez, vous tendez les deux bras en direction des genoux, d'accord? Vous ramenez et vous descendez sans toucher le sol, d'accord? Donc ça nous fait 1, 2, 3, je descends sans toucher. 1, 2, 3, en bas. Je monte, je tends, je plie, je ramène. 1, 2, 3, encore. 1, 2, 3, en bas. 1, 2, 3, en bas. 1, 2, 3.
3, en bas, encore, c'est ça. Allez, on en fait encore une petite série. Soufflez bien, souffle, inspire, souffle, encore, c'est ça, encore, hop, en bas, tac, boum, tac, en bas, encore. Allez, encore 4 comme ça. 4. Allez, encore 3. 3. Allez, encore 2. Le dernier. Et on relâche. Parfait. Ça va? Allez, on monte ici. Hop. Hop. Allez, on décolle. Les fessiers. 1. Allez. C'est ça. Encore un peu. Allez, on décolle. On dépose. Lentement. Avec un contrôle. Contrôlez la descente. Encore. Soufflez bien. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Encore une dernière série. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez. Inspirez, soufflez. Placez votre main, une main derrière la nuque, d'accord? L'autre main en ouverture latérale. Et vous amenez le genou opposé à la main qui est derrière la nuque, d'accord? Regardez ici. Si c'est votre main droite, vous ramenez le genou gauche, ici. Et vous revenez là, vous posez le talon. Vous le posez à peine au sol, que le voilà reparti. 1, reviens, hop, reviens, souffle, encore, souffle, souffle, allez encore. On en fait encore 8? Allez, 8. 8. 7. Vous revenez bien centre. Buste vers le plafond. Les 4 derniers? 4. 3. 2. 1. Et relâchez. On change de côté. On place la main derrière la nuque. Très bien, l'autre bras en ouverture. Et on y va. C'est parti. 1. Pause. Souffle. Souffle. Allez, reviens centre à chaque fois. Pour 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et relâchez. Inspire, souffle, étire complètement. Parfait. Ramène vers toi les deux genoux, l'un après l'autre, et balance à droite, balance à gauche. Parfait. Des petits mouvements de rotation dans un sens, et mouvement de rotation dans l'autre sens.
Bien. On va terminer avec 4 séries ici au niveau. On va faire une petite planche ici. D'accord. 4 x 8 et après ça sera terminé. D'accord. On essaye, on s'installe, on place nos coudes. C'est parti. Top. Allez, on y va. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on relâche. Si vous souhaitez garder la formule avec les genoux au sol, bien sûr, n'hésitez pas. On y va pour la deuxième. 5, 6, 7, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on relâche. Très bien. Il nous reste encore 2 séries et ça sera terminé. C'est parti, dans 4, 3, 2, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche. Là, je me suis trompée, je crois que j'ai compté jusqu'à 10. Allez, on y va pour la dernière. C'est parti. Top. Allez, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et relâchez. Parfait. Ça va? Allez, on repousse ici. On vient étirer. Bon, je sais que j'ai été jusqu'à 12, mais bon. Allez, c'est oublié déjà. On revient. On pousse sur nos paumes de main. On pousse ici sur les pointes. On déroule jusqu'au talon. Je ne sais pas si vous me voyez. Hop. Voilà, je vais me rapprocher. Et on reste ici, si c'est possible. On pose les mains sous les pointes de pied. Et on déroule. Parfait. On relâche la tête. On relâche les bras. Et on essaye de rapprocher le plus possible notre tête de nos tibias, de nos genoux. Très bien. On fléchit les genoux. On relâche complètement les bras, les épaules, la tête. On déroule. Parfait. On inspire, on souffle, on monte. On relâche. Et on vient ici face étirer. Ici, on équilibre. On vient attraper notre pointe de pied. On colle les deux genoux entre eux. Voilà. Et on ouvre ici. On fait une flexion de la jambe d'appui et une rétroversion du bassin qui va nous permettre d'étirer le quadriceps. Parfait. Ensuite, on vient poser le talon dans le sol et on pousse le poids du corps vers l'arrière. On descend et on vient saisir la pointe de pied. En ramenant cette pointe vers nous, vers le tibia, on sent l'étirement arrière mollet et on ouvre ici. Et on relâche, on vient rouler sur la jambe avant, ici, hop, et on vient saisir l'autre pointe. On colle. Bien sûr, si vous avez besoin de vous attraper, une chaise, un mur, n'hésitez pas. Flexion, rétroversion. Parfait. Posez, poussez, poids du corps vers l'arrière, attrapez pointe de pied, ouvrez. Relâchez, inspirez, soufflez et toujours jetez tout à la poubelle. Encore, inspirez, soufflez, jetez tout à la poubelle. Et encore, et laissez aller complètement. Inspirez, soufflez et applaudissez-vous. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo pour votre travail. Bravo d'avoir été là, d'avoir
d'avoir joué le jeu. C'était pas facile avec la chorégraphie. J'espère que vous l'avez bien vécu. En tout cas, je vais essayer de la mettre sur la page YouTube. Comme ça, vous pourrez vous exercer à la refaire chez vous. Donc, je vous souhaite une très, très belle fin de journée. À très, très bientôt. Merci. Bravo. Bravo d'avoir été là, d'avoir été derrière votre écran. À bientôt. Au revoir.